Alice Mbarga Marie-Paul va faire un AVC à cause d'Arnaud, je vous assure. Déjà, sa grossesse la menace beaucoup. Elle a de multiples vomissements, les nausées à gogo. Elle a même risqué à plusieurs reprises de perdre son enfant. À sa deuxième échographie, échographie pendant laquelle ils allaient découvrir le sexe du bébé, chose à laquelle Arnaud tient beaucoup. L'échographiste leur annonce qu'elle est enceinte d'une fille. Mon Dieu, on pouvait lire la déception sur le front d'Arnaud, je vous assure. Il a très mal pris la nouvelle. Selon lui, tout est de la faute de sa femme, Mama, dont avec toute la technologie qui existe là, Google et tout autre moyen de recherche, les hommes d'aujourd'hui arrivent encore à penser comme ça là. Non, je suis dépassée. Arnaud, là, souvent je te supporte, mais le tout, si là tu as dérangé mon frère, eh. Non, il faut un peu arrêter avec ce comportement-là. Du coup, après la mauvaise nouvelle, Arnaud n'est pas du tout content et lui rend la tâche difficile, d'où ses multiples risques de perdre le bébé. Elle est toujours en colère et pas tranquille dans sa tête, ce qui influence beaucoup sur le sort de son bébé. Ouais, la pauvre, j'imagine que c'est pas facile. Vraiment, la femme africaine en chapeau, elle porte un poids que franchement, si on mettait seulement la moitié de ça sur la tête de l'homme, non, je suis sûr qu'il a laissé renverser même 4 fois, parce que non, c'est dur. Et comme si ça ne suffisait pas, la sœur Antoinette, celle qui tournait toujours autour d'Arnaud là, elle voulait rentrer dans sa congrégation. Vu que la loi selon laquelle il fallait se marier entre tout a été abolie, il y a d'autres lois aussi qui ont été abolies. Donc, avec le pardon de l'église et tout, elle a voulu rentrer dans sa congrégation et être de nouveau membre comme auparavant. Mais est-ce que c'est alors facile comme ça là? On lui a imposé une condition pour qu'elle puisse être acceptée, celle de donner l'identité du père de son enfant. Bonne madame n'est même pas elle partie chercher loin. Elle a menti aux membres de sa congrégation que c'est Arnaud qui est l'auteur de sa grossesse. La nouvelle s'est donc diffusée de partout en un temps record. Maman, vous connaissez les femmes et le bavardage, non? Voilà alors ça que c'est tombé dans les oreilles d'Alice et c'est parti pour un AVC. L'enfant d'autrui ne pouvait pas supporter la nouvelle. C'était un choc pour elle, en plus déjà de ce qu'elle subit tous les jours à cause de son mari, vu qu'il n'est pas content du fait qu'elle attende une fille et non un garçon. L'héritier, non maman, ça n'allait pas, elle a pété un plomb, elle s'est évanouie. On l'amène à l'hôpital alors, d'urgence, et là où je vous parle là, on ne sait quel est le sort qui lui est réservé. Kamga de son côté, il est devenu soulard. Il a recommencé sa vie de débauche là comme quand il vivait encore avec Eliane, son ex. Il passe son temps à boire dans les bars sans payer, sauf que là, Eliane n'est plus là pour pouvoir à cette dette-là. Donc le gars, non, il est bien endetté jusqu'au cou, mon frère. Il ne peut se rendre dans aucun bar de son quartier parce qu'il doit de l'argent partout. Et dans tout ça là même, il ne travaille pas. Et en tout cas, il n'a pas un travail stable. Donc je me demande bien comment il va faire pour rembourser ses dettes. Sandrine, la cousine de Piolet, a trouvé un copain. Oh, bon. Et ça a l'air plutôt de bien fonctionner entre eux. Ils ont l'air amoureux là. Tout va bien. Vous savez, non, comment les relations, ça se passe au début. Quand on apprend encore à se connaître, il y a tout l'amour du monde. On profite de tous les bisous, les câlins, les sorties. Tout va bien, quoi. C'est quand on entre dans le mariage que les vrais problèmes commencent. Parce qu'on commence à découvrir les vraies personnalités de chacun. Maman, la vie n'est pas facile. Je me demande bien alors s'il va la demander en mariage ou bien s'il est juste là pour jouer avec elle. En tout cas, la suite nous en dira plus. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!